Vous allez bien. Alors, on va faire ce soir une nouvelle partie. On va démarrer avec l'update de régional pour Football Manager. Mon choix s'est porté sur une équipe de National 3 Auvergne-Rhône-Alpes, l'équipe de Bourgoin-Jallieu. On va essayer de faire au mieux pour que tout aille bien. On est arrivé dans une équipe qui n'a pas beaucoup de finances, franchement, 675 euros de solde. Avec 28 000 euros de budget salarial par mois, on n'est pas couché, comme on dit. Mais on va voir ce que l'on peut faire. Par contre, est-ce que tout est bien configuré? Ouais, ça va aller. Ok, parfait. Donc, l'équipe de Bourgoin, qu'est-ce qu'on peut dire sur elle? Équipe de Nord-Isère, donc située pile entre Lyon et Grenoble. Et après, derrière, on va essayer de les faire monter le plus haut possible dans le championnat de France. On a beaucoup de monde qui vont avoir leur contrat fini à la fin de la saison. Il y a déjà des contrats proposés alors que j'ai rien touché, super. Approche tactique, ça on verra envoyer avec les joueurs. Les objectifs. Recruter des joueurs de moins de 23 ans pour l'équipe première. Ça risque d'être compliqué. Parce que déjà dans les petites divisions, il faut souvent prendre des joueurs en fin de contrat ou autre. Donc chaud, rester dans les limites du budget. Avec 600 balles, on n'est pas dans la merde. Première moitié du championnat, ouais, si on peut. Coupe de France 8e et ouais, donc pas beaucoup d'objectifs. Terminé toujours dans la première partie de tableau. De façon pré-saison, on va laisser en normal. Les règles, pas de règles particulières, donc ça va. Alors, par rapport aux joueurs. Donc, deux gardiens. 1, 2, 3, défenseurs centraux. Un latéral gauche seulement, pas de latéral droit. Bon, ben, on va jouer sans latéraux. C'est ce que je me doutais de toute façon. Mais depuis le nouveau Football Manager 2022, j'ai fait beaucoup de tactiques avec trois défenseurs centraux. Donc, ça tombe bien, on va dire. Je vais en réutiliser une. Des milieux défensifs ou centraux. Même pas trop de monde pour les ailes. Ouais, deux attaquants en général dans mes tactiques. Là, j'en ai quatre. Donc, on verra peut-être qu'on en fera déplacer certains en milieu offensif. Qu'est-ce que ça vaut tout ça? En gardien. Ouais, terrible. Pas mal. Pas mal. Ronan Jay va être mon titulaire en gardien de but. Alors, oui, juste pour faire voir. J'ai juste préchargé ma tactique habituelle. Que j'ai un peu ajusté bien sûr pour le national, hein, parce que ça va pas être si simple, forcément. Donc, trois défenseurs centraux, deux milieux, dont un qui va rester surtout beaucoup derrière, trois offensifs et deux attaquants. On verra si on a besoin d'ajuster un petit peu. J'ai préparé une deuxième tactique aussi un peu plus défensive, voir si la première est un peu trop, on va dire, offensive pour la National 3, surtout avec notre team. Donc, on revient derrière notre gardien, Ronan Jay, je crois, il n'y a pas photo. Défenseur centraux, de toute façon, j'ai pas le choix. Donc, ça va être Coffee, Ferrari, Roselli. On va foutre peut-être plutôt le gaucher là. Donc, dans ma tactique, c'est surtout le défenseur central qui va récupérer les corners et un petit peu le défenseur central droit. Donc, il faudrait voir un petit peu à quoi ça ressemble. Roselli, ou plutôt bon de la tête, Roselli. Et Ferrari moins bon, donc on va peut-être plutôt glisser Roselli en centrale. Boumali, bah, il jouera défenseur central supplémentaire s'il y a besoin. De toute façon, pas de latéraux gauche, c'est mort. Après, en milieu défensif, il m'en faudrait un peu, pardon, box to box et un autre meneur de jeu. Donc, on va voir ça après. Dans les attaquants. Il nous faudrait des un peu rapides, pas mal de la tête avec des appels de balle. Celui-là est pas mal. Elian Tack, toi. Alors quel pied il est? Droitier. Donc on va le faire jouer. Elian Tack, attaquant droit. Boukaka. Pas de jeu de mots, hein, avec Jean-Brian Boukaka. Ouais, pas trop mal aussi, hein, rapide. Je crois qu'on a des Boukaka avec un avant-gauche. Derrière, Lucas Pellin. Pas bien rapide.
Bon jeu de tête, pas terrible en passe. Ouais, sera remplaçant. Thibaut Legrand, ouais, lui 16 ans, c'est pas la peine, c'est pour plus tard. Derrière, qu'est-ce qu'on peut mettre comme latéral offensif droit? Il faut des ailiers qui rentrent plus à l'intérieur. Donc lui, mis offensif droit, bien. Ouais, pas de meilleur rôle tellement il est mauvais. Génial, on va s'amuser avec ça. Mais bon dribbleur et rapide, ok, bon ben, Bouzid, tu vas jouer milieu offensif droit. El Ouali, rapide, mais c'est pas trop ça non plus. Ok, après on a qui? Milieu offensif gauche. Droitier, lui va rentrer, il est bon là. Lui il est bon. Pour de la Nationale 3, il est excellent. Toi, tu joues sans problème. Après, derrière, Sofiane Attic. Sofiane Attic. C'est pas mal. Droitier excellent, dribbleur. Jeu collectif, il est bon. Passe, il est bon. Vision du jeu, décision. Toi, tu veux être mon milieu offensif central. Hop, meneur de jeu avancé. Après, ça c'est un cran en dessous. Bâti. Bâti, bâti, bâti. Pas mal, dribbleur. Dribbleur, dribbleur, dribbleur. Qu'est-ce qu'on peut en faire de lui? Accélération, ça va. Jeu collectif. Marquage. Tacle pas mauvais. Toi, tu veux être notre box-to-box. Après, derrière. Ouais, ça dribble, hein. Ça dribble en national, dis donc. Plutôt rapide, peut jouer mieux défensif. Nul en tacle, anticipation, placement nul. C'est pas terrible. Dribbleur, mauvais en passe. Bâti, il avait combien en passe? 9. Pas top, pas top. Et ses jalons? Meilleur en passe. Marquage tacle. Lui pourrait rester derrière. Il pourrait rester derrière. Décision 8. Vision du jeu 7. Oh putain, c'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Allez, ces jalons, tu vas rester là. Après, on va mettre lui. Lui en défenseur central. Coelho. Oh putain, c'est pas bon. Bon, c'est les jeunes, ça, en même temps. Delcrim. Ouais. Bof. On va regarder ce qui est gratos, mais. Même les gratos, on va galérer. Ça va être une horreur. Parce que franchement, quand on se retrouve avec 675 euros de budget, eh ben on n'est pas couché, c'est le cas de le dire. Bon, on va rester comme ça. On va faire cette tactique-là. Il faudrait que j'essaye de me faire les coups de pied arrêtés. Ouais. Les corners. Corner offensif. Ouais, celui-là c'est bien. Corner droit, corner gauche. Avec le défenseur central à chaque fois qu'il a pas mal. Les coups francs en attaque. On va se retrouver. Putain, j'ai pas de coups francs. Ah oui, mais il est direct. Indirect excentré. Voilà, nickel. On centre lointain. Ok. Indirect lointain, indirect droit. Ok. Bon. On va pas mettre de joueurs sur les corners, coups francs et touches pour le moment. On va attendre un petit peu de voir si c'est un petit. Si on peut récupérer quelques joueurs. En calendrier. Alors. Salez Rodia, Vénissieux, AC Césiné Parisé, Sochaux 2, Chambéry. Neuville, Rennes 2, alors ça s'est proposé, Porte de Lens, Léo Lyonnais, et on est dans. Ah oui, j'ai pas regardé le groupe exactement où on est. On est avec Moulins, 1 Sud, la réserve de Saint-Étienne, la réserve de Clermont, la réserve de la Duchère. Ouais, Chambéry, Thonon, Montluçon, Limonest, Olyonnais. Ok, bah écoutez, ça peut être assez intéressant. Alors déjà, staff, il faudrait que je me prenne n'importe qui pour avoir.
Si je regarde, je dois avoir personne, un préparateur, moi et personne. Ok. Tout passer annonce pour un entraîneur adjoint. Ce serait déjà pas mal. Pour lui filer tout ce qui est équipe réserve et tout, déjà, ce serait pas mal. Ok, bon, ça. Match amico. Ok, ça c'est validé. En espérant que ça fasse rentrer du pognon. On va laisser les tactiques par défaut aussi. Ça promet, ça promet. Alors, ce que ça donne déjà avec le premier match contre l'Olympique Salez-Rodia. Alors, on va préciser dans le stream. On joue avec Bourgoin-Jallieu. Donc, ouais, bon ça, les gens formés chez nous. Dynamique, leader d'équipe, Rémi Baty et ses jalons. Ok. Baty, ses jalons. Bah, ça tombe bien, c'est mes deux milieux au centre. C'est pas mal. Présentez-vous aux joueurs. Ouais, tant qu'à faire. Bonjour, certains n'ont pas entendu moi, je me présente. Ouais, on va pas faire de promesse hein, pour le moment. Puis on vise une place dans le top 3. Première partie de tableau, c'est ce qu'on me demande. Ok, donc ça, on va voir ce que ça donne. Eliane Tac, très positive suite à la réunion. Ouais, bah, staff technique, oui, c'est moi qui vais tout faire, hein, forcément, pour le moment, il n'y a pas le choix. On est au moins un adjoint, ce serait cool. Allez, assistons à la conférence de presse, présentons-nous. Bah, je vais pas cacher ma joie, hein. Ouais, pourquoi? Gros club, non, sûrement pas. Infrastructure, sont pour réussir, non, sont pourris. Inconcevable de ne pas demander une telle. Dès que l'occasion s'est présentée, j'ai su que je voulais rejoindre ce club. Oui, je me considère apte. Oui. Parler plusieurs langues. Ouais, je me suis choisi en Suisse pour avoir plus de facilité à parler plusieurs langues. Formule 1, confiance mutuelle. Oui. Je sais qu'ils sont parmi les plus fidèles et font partie d'un. J'ai besoin de leur soutien. Allez, les supporters de Bourgoin, les Bergaliens. Habitants de Bourgoin qui s'appellent les Bergaliens, pour ceux qui ne savaient pas, ça vous fera du bien de connaître ça. En ce qui me concerne, d'être la meilleure équipe du monde. La meilleure équipe du monde. Un petit peu beaucoup comme motivation là, non? Aussi loin que nos prestations le permettront. Quelle est votre approche de l'entraînement? Ouais, c'est encore trop tôt. Quelle est l'importance d'avoir un joueur tel que Cyril Martin, autour duquel Cyril Martin Pichon? Mais c'est un des plus nuls que j'ai, c'est quoi cette histoire? Ah, mais parce qu'il vient de Saint-Étienne. Ok, donc il a une pseudo-expérience, mais il a jamais joué. Pas terrible. Donc je l'apprécie, mais bon, voilà. À des postes spécifiques? Ouais. Améliorer à des postes spécifiques, il faudrait améliorer partout. Sans commentaire, hein, parce que. Ma porte est ouverte, venez me voir, venez les petits. Oui, on va privilégier le championnat, oui, tout à fait. Quittons la conférence de presse, voilà, on va s'y mettre. Allez, j'ai envie de voir un peu ce que donnent ces joueurs-là. Présentation de recrutement des joueurs, ouais. Ouais, mais ça, je m'en fous. Même pas prendre le forfait national 3. J'ai zéro. C'est mort. C'est mort. Je ne peux rien faire. 3,6 chaque mois du budget. Non, je peux pas. Je fous la merde si je fais ça. J'ai 675. Projection. On va faire moins 1,2 million.
c'est horrible. Il n'y a rien à faire là. Continuez. Aïe 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 aïe. On n'est pas dans la mouise, comme on dit. Putain, putain. Chaud. Chaud patate. Allez, on avance, on avance. On tient le beau bout. Velay, Velay, Velay. Est-ce qu'on joue contre Velay? Ils sont dans notre groupe, Velay? A priori. Ils jouent en 4-4-2. D'accord. Ils ont besoin des recherches. Que dalle. Ouais, finalement, je suis pas sûr qu'on puisse recruter. Donc, je vais peut-être m'occuper de mettre les joueurs pour les coups francs, corner, etc. On va aller voir ça. Surtout avant le match de Salaise. Que chacun connaisse bien son rôle. Ok, général physique. Jessim Maia, putain, t'es pas bon, toi. Pourtant, t'as une bonne expérience. Il vient de Saint-Priest. Ah, encore un Saint-Étienne. Encore un Stéphanois ici. Il manque des joueurs là pour faire jouer tout le monde. On peut pas prendre des joueurs de deuxième. Arrière gauche, on s'en fout. Un défenseur central, ok. Un gardien, on s'en fout. Équipe moins de 19. Attaquant, j'en ai déjà deux à mettre. Donc ça, je vais pas en mettre. Un milieu gauche. Un milieu centre. Un milieu défensif. Un milieu droit. Qui c'est qu'on va mettre? Allez, Bouzid. Et derrière, Mohamed Ba qui peut jouer des deux côtés. On va prendre Mohamed Ba. Allez, on pourra pas faire mieux de toute façon. C'est mort. Donc, coup de pied arrêté. Alors, capitaine, on va mettre qui? Bah, c'est Jalon, hein, je crois que pas photo. C'est Jalon, tu seras notre capitaine pour cette saison. Derrière, Jeannot Kony. Ouais, allez, Jeannot Kony. Jeannot Kofi, pardon, Jeannot Kofi. Les autres, on s'en fout. Tireur de coup de pied arrêté. Voilà. Alors, les corners, ça va être Maya. Tu te débrouilles, Maya. T'es le seul qui sait tirer quelque chose. Tu fais ton boulot. Les coups francs. Ben, Maya, tu vas y avoir droit aussi. Hein. Maya va y avoir droit. Puis Atik. Toi aussi, t'es là, tu les tireras. Mais ça m'étonnerait. On remonte d'un cran. On le remonte d'un cran. Jessim Maia, Jessim Maia. Corner, on met qui en deuxième? Sofiane. Allez, Sofiane Attic. Tu te débrouilles. Ils sont tous mauvais. Lui, je peux pas le mettre, c'est celui que je fais jouer derrière. Qui c'est que je peux mettre après? Bon, on s'en fout. Bon, on les touche. Enfin, on laisse faire comme ça. Penalty. Tac, Pelin, Attic. Tac, Pelin, Attic. Ouais, ça c'est bon. Nickel. Bon, on va essayer d'avancer jusqu'au premier match. J'ai là, voir ce que ça donne. Allez, on est confiant. On va voir ce que vaut cette équipe de l'Olympique Salaise. Aïe 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 aïe, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Ouais, de toute façon, pas de choix. Hein. C'est parti, mon kiki. On va voir comment se passe comment se passe le match surtout et comment fonctionne notre tactique. Attic qui va démarrer. Ok, bon, allez. Allez, donnez tout. Donnez tout, les gars. Mini-résumé. Mini-résumé. On laisse comme ça. Hop, c'est parti. Alors, oh putain, ça va doucement par contre. On va accélérer un peu.
Donc, on est parti pour ce match de Brouin. Tac, pour Boukaka. Boukaka qui joue derrière Boferrari. Ouais, c'est dur hein, de décaler là. Hein. Pour Bouzé, Bouzy, Atik. Atik qui rejoue avec le gardien G. Ronan G. Kofi, notre défenseur central gauche. Kofi, Boukaka, Boukaka qui réceptionne bien pour tac, tac, qui la glisse à Bouzy. Et hors-jeu. Hors-jeu pour notre premier match. Boukaka, tac, et là, ouais. Bouzy, 1 mètre devant. Bon, ok, on est en national, pas cherché non plus. On continue. Kofi. Kofi, pour Roselli. Ouh là là, Roselli, qu'est-ce que tu nous fais, Roselli? Kofi? Ouais, la praline. La praline. Donc, on continue. On le sent bien. Premier corner. Bon, ça joue pas du tout où je veux, c'est pas grave. Deuxième chance, raté. C'est Jalon qui se bat pour la récupérer. C'est Jalon. C'est Jalon pour Bati. Bati, c'est Jalon. Allez, Kofi. Kofi, fais ta passe. C'est Jalon qui donne à Bouzy. Bouzy qui la met de l'autre côté. Ouh, la reprise! Allez, bats-toi! Bats-toi, Boukaka! Bati pour Atik. Allez, on n'a pas perdu. C'est Jalon. Bati, c'est Jalon. Atik qui rejoue derrière pour Kofi. Et fini. Bon, elle a marqué un but hors jeu. Pour le moment, c'est pas top, mais bon, il y a pire. Allez, on continue. Une nouvelle occasion. Bouzy, tac. Atik. Raté. Raté, raté, raté. Un nouveau coup franc. Allez, Maya. Allez, Maya. La frappe enroulée qui passe à côté. Dommage. C'est notre premier match. Au niveau occasion, on est devant. Passe réussie, on est très bon. 93%, 71% de possession de balle, c'est bien. Je suis fier de vous, les gars. Allez, Ferrari. Ferrari, accélère, Ferrari. Ferrari, accélère. Bati. Ferrari. Allez, Ferrari. Ferrari, tu vas la paumer. Bati qui revient. Ferrari, Attic, Attic. Attic pour Maya. Boukaka. C'est Jalon. Je vais peut-être dire c'est Jalon, c'est Jalon. Oh là là, Kofi, Kofi, Kofi qui se prend pour un fou, qui perd la balle. Marimoutou, Marimoutou qui continue. Non, c'est bon, fini. Marimoutou, Marimoutou, on retrouve Marimoutou à l'avant. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Kofi qui défend, c'est bien ça, mon petit. Allez, Boukaka. Allez, Boukaka, t'es rapide. Vas-y, vas-y, Boukaka. File, 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 file comme le vent. Vas-y. Centre. Tac. Oui! But de Bouzy! Bouzy qui marque enfin le premier but. Ah, belle construction du jeu en plus. Génial, nickel. Donc Boukaka qui déborde. Un centre au cordeau. Et tac, qui fait la différence en pivot et qui l'a remis sur Bouzy. Nickel, nickel. Bon, après, match amical, on ne sait pas ce que ça vaut encore. Mais là, on domine, on domine. Longue balle pour tac. Tac, tac, le centre. Du tac au tac. Bati. Bon, Atik. Atik qui la remet. La frappe. La frappe, la frappe, la frappe. Ça ne va pas. Mahaya au corner. Il centre. Ferrari qui rate. Bouzy. Qui la remet à Mahaya. Qui centre. Deuxième poteau. Mais tac, qui ne peut pas se jeter sur le joueur. Sur le joueur, sur la balle, pardon. On continue. Ah, mi-temps. Bon, mi-temps. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau statistique? On est pas mal. 11 tirs à 2, 4 cadrés, un XG à 1,08, E0,16. On a 6 corners, on a fait 6 fautes. 92% de passes réussies, c'est nickel. Et 66% de possession. Bon, après, il faudra voir un petit peu ce que vaut cette équipe. Ça se trouve, c'est plus bas encore que nous au niveau division. J'apprécie ce que vous montrez, c'est important de continuer. On y va, on continue. Je ferai les changements un peu plus tard pour mettre un peu de remplaçants. Parce que là, les matchs amicaux sont que toutes les semaines, donc il y a pire.
Allez, on pousse les gars, on démarre bien cette deuxième mi-temps, je vous fais confiance. Ah, Bouzy qui se bat bien, ça fait plaisir. Carton jaune du côté des adversaires de l'Olympique Salaise. Ferrari à la touche pour Bouzy. Ferrari qui centre. Boukaka. Eh oui! Boukaka qui marque au deuxième poteau. Une magnifique tête de Boukaka. Ah, ça fait plaisir aussi. Le jeu qui commence côté droit. Bouzy qui remet à Ferrari. Ferrari qui fait une longue transversale au deuxième poteau. Boukaka qui a suivi et qui bat le gardien dans un angle fermé. Nickel. En jeu, les 10 jeux? Non, non, non. Bah non, il est derrière. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça passe. Nickel. Allez, on continue. Est-ce que j'en ai qui fatiguent? Là, pour le moment, non. Donc, on ne fera pas de changement. On va voir avec le temps. Ouais, possession de balle, je suis content. 65% toujours. 92% de passes réussies. On est bien, les gars. Atik, qui dégage loin devant. Oh, Maya. C'est joué, ça. Allez, Maya, c'est pas grave. Tu te reprends sur le corner. La balle au premier poteau. Et Roselli qui la rate. Mais Kofi qui reprend. Maria, centre. Il la récupère juste au dernier moment. Bouzy, pour Bati. Bati, Serralon. Kofi, Rosselli, Serralon. Serralon, Rosselli. Vous allez vous faire avoir dans les petits là. Bati pour Atik. Atik, voilà. T'es pas bon en passe, tu fais pas ça. La balle longue pour Rosselli qui la récupère. Kofi pour Serralon. Mahaya. Allez, Mahaya. Mahaya qui percute, qui donne à Bati, qui la met en profondeur. Le jeu en une touche pour Atik. Et la frappe qui passe juste à côté du but. C'est incroyable. Incroyable. Mahaya pour Serralon. Mahaya, Serralon. Bouzy, Atik. La frappe. Dommage. Dommage. Bon, on tient le bon bout. Maya, Bouzy, Maya. Ouh, la faute! Ouh, mais quelle faute! Mérite un rouge, ça, monsieur l'arbitre. Ça mérite un rouge, monsieur l'arbitre. Tout à fait, c'est ça. Balle pour eux. Allez, quadrille le terrain, les gars. C'est pas mal le quadrillage que je vois là. Et vous battez pas les gars. Hein. Allez, Ferrari. Pour Bati. Bati pour Atik. Atik qui la met en profondeur pour Boukaka. Oh, Boukaka qui nous a fait un truc de dingue. Il a failli lober le gardien en pleine course. C'est dommage. Dommage. Allez, on continue. Boukaka qui a la balle. Il continue. Il la met à droite pour Bouzy. Bouzy qui avance. Bouzy qui centre. Boukaka qui ne peut la reprendre. Et Serralon non plus. C'est la fin de ce premier match amical. Plutôt content. Des bonnes notes pour tous mes joueurs. Ils ont bien assimilé la technique. Nickel. Bon, un carton rouge en plus pour l'adversaire. XG de 1,81. On a marqué deux buts. Donc on est dans les délais normaux. C'est exactement ce que j'attendais. Merci les gars. Parfait. Donc par contre, je voulais voir Olympique Salaise, ils sont où? Régional 1, donc ils sont en dessous de nous. Donc faut pas trop se la péter quand même. On a gagné 2-0 contre une équipe d'une division inférieure. Si je regarde les calendriers d'ailleurs. Vénissieux après, qui est en dessous de nous. Césinet, qui est en dessous de nous. Sochaux-Montbéliard, qui est National 3 comme nous. Chambéry, qui est encore plus bas, Neuville encore plus bas, Rennes 2 qui est en National 3 aussi. Aïe. Et Porte de l'Ain. Ouais, donc on joue pas d'équipes qui sont au-dessus de nous quoi qu'il arrive. On joue soit des clubs inférieurs, soit des de notre division. Donc on va voir. Et ceux de notre division, c'est des réserves de clubs pro, donc ça peut piquer facilement. Allez, une semaine pour vous reposer, les gars. Dommage que j'ai pas un analyste des performances.
pour voir un peu comment se répartissaient les joueurs. Je vais voir si je le vois quand même. Je vais voir si je le vois sur le dernier match. Dernier match. On est pas mal, ok. Calendrier. On retourne voir le match. Données analytiques. Joueur. Non pas équipe. Position moyenne. Pas pour les deux équipes, merci pour Bourgoin. Possession moyenne avec le ballon. On est pas mal. Non. C'est quoi ça? Ah oui, non mais c'est de l'autre côté, ok. Donc Rosselli il est là, Kevin Ferrari il est là, là. Les deux sont là. On quadrille bien le terrain, je trouve. Sans le ballon, on est comment? En milieu offensif centre qui redescend là. Ok. Position moyenne totale. Ouais, on quadrille. On quadrille. Ça me va. C'est ce que je veux pour le moment, pour mon équipe. Donc tant mieux. Allez, on continue jusqu'au deuxième match. Plus mes joueurs sont pas du tout habitués à la tactique. Pour le moment, ça promet, ça promet. Centre médical, ok, bon, je connais, merci. On a pas de, je suis sûr qu'on n'a pas de kiné, pas de médecin, on n'a rien du tout. Voilà. Bonus collectif. Ouais, ben écoutez, petite prime, si vous voulez. Si on fait quelque chose en national, mais le reste, non, laissez tomber. Hein, on n'a pas de pognon. On est pauvre en national 3. Plus que pauvre même. C'est la dèche. Finance, on a fait quoi? Moins 3 000 déjà. Ah oui, ok quand même. Quand même. On a un budget transfert de 11 200, je sais pas d'où on le sort. On a fait un match, on est déjà à moins 3 600. Normal. Après, si on fait tous nos matchs à l'extérieur, en même temps, on risque pas de faire rentrer du pognon dans notre stade. Ah, peut-être contre Sochaux-Montbéliard, on va faire du monde. J'espère, parce qu'autrement on est mort. Ça va être plus dur que prévu, parce que National 3, je pensais galérer. Mais sportivement, mais même financièrement, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Du cher de bon, qui sont dans notre groupe, mais ça, on s'en fout pour le moment, en tout cas. Allez, deuxième match contre Vénissieux. Qu'on se fasse plaisir, là, sur des matchs. Bouzy qui s'entraîne mal? Non mais tu te fous de ma gueule toi Bouzy? 5,90? Un effort quand même, hein? Oh, c'est pas parce que t'as marqué au dernier match qu'il faut glander après la semaine, hein? Ils ont quoi comme contrat d'ailleurs? Contrat à mi-temps, oui, forcément. Lui aussi il a contrat à mi-temps? C'est pas mal du tout ça quand même. Mi-temps, ouais, mais il touche 1 500 euros par mois, ouais, forcément. Un jour comme ça. Peut le garder un moment lui si veut. Pas de soucis, hein, 28 ans. Et Ferrari alors? Ah, il va assez vite, hein. Il va assez vite, ça me va bien lui. 1,87 m. Pas une bonne détente, mais un bon jeu de tête. Peut nous claquer quelques buts, hein, lui. Hein. Plus clair. Allez, Vénitieux, 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 Vénitieux. Vénitieux, Vénitieux. Prochain match. Bon, sélection de l'équipe va être très claire. Hein. De toute façon, ceux que j'ai mis sur le terrain, c'est les meilleurs. Si j'ai un blessé ou autre chose, c'est mort. Pour une vente vulnérable en essence. Mais non! Pourquoi il prend ça comme un 3-2-5? Un peu, mais bon. Pas de raison. Pas de raison. Donc là, c'est encore un club. Prenez du plaisir. Trop sûr de lui, Bati? Oh. Toujours trop sûr de lui. Allez, les gars.
Baptiste la pète un peu, ouais, je sais qu'il est bon, mais quand même quoi. Allez, nouveau match. Atik, Kofi. Kofi sur le côté gauche pour Mahia. Mahia qui s'infiltre, qui essaie de jouer dans la profondeur, c'est raté. On continue. On continue le match. T'as force, pas souvent. Mahia qui fait la touche pour Boukaka. Boukaka qui met au deuxième poteau. Batik essaie de rejouer avec lui. Non. Ferrari, de suite. Bouzi qui pousse. Bouzi qui déborde, qui remet derrière Abati. Qui remet très loin derrière à la défense. Atik! Oh, la praline d'Atik! Le but de Atik! C'est le but magistral de Atik. Passe derrière pour Ferrari. C'est Rallon qui remet tout de suite à Atik, qui ne se pose pas de questions. Et praline! Le gardien ne peut rien faire. Oula, corner. Michelini. Michelini. Il fout de quoi là, les gars? Tout seul. Tout seul. Personne. Deux joueurs tout seul. Putain, mais c'est pas vrai là. Qui c'est qui perd le marquage là? Oui, il va où? Il va où? Il va où lui là? Là, il le marque. Oui, je veux cliquer sur toi. Charaf? Non, pas Charaf. Avance un peu. Là, toi. C'est qui toi? Mahaya? Qu'est-ce que tu fous là, Mahaya? Ni offensive gauche. Putain. Mahaya. Parce qu'il fout. Enfin, je vois mes corners défensifs. Parce qu'il a rien à foutre là au deuxième poteau, lui. Ne va pas, ça ne va pas. Allez, allez, on pousse. Allez, Boukaka, récupère la balle. Et te laisse pas déborder, hein. Allez, allez, allez. Mais Michelini, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ouh, le deuxième poteau. Deuxième poteau, c'est pas top, là. Ferra. Ouh là, qui dégage. Allez, Renanger, qui balance. Et on fait des conneries. Non, c'est bon, récupéré par Kofi. Kofi, fais la passe. C'est Rallon. Mahia, garde pas la balle. Bourtac! Oui. Mahia qui se rattrape de sa connerie sur le corner. Et c'est tac. Kofi, c'est Rallon. Mahia là qui fait juste. Là, ils sont deux tout seuls. Ils sont deux tout seuls là. Au centre. Je sais pas ce qu'ils foutaient la défense adverse, mais tant mieux, j'en avais deux tout seuls. Et tac, qui fait le nécessaire et qui vient marquer le but du 2-1. Kofi, c'est Rallon. Bati. Bati, je ne vois pas de temps que ça. Ah, dans la course de Mahia. Mahia qui fait le tour. Oh! Ah, petite faute. Petite faute. C'est la petite faute de trop d'ailleurs. Allez, corner. Corner. Putain, penalty. Tac, pour son deuxième but. Nickel, bien joué, tac. Entre Tiki et Tac et bout de caca, là, on a quand même quelque chose en attaque, hein, ici à Bourgoin. On va pas se laisser faire. Hein. Allez, 3-1, nickel. On commence à bien jouer. Mahia, Atik, Atik. Atik qui remet. Derrière, Mahia qui se bat, qui récupère. Pour Tac, Tac. Atik, Atik. Caca, l'arrête! L'arrête! Qui bloque le tir. C'est une magnifique occasion, un jeu en triangle, nickel. Aïe, c'était dur. C'était dur. Bon, allez. Une petite touche pour eux. Derrière. Palo, Payot. Charme. Allez, 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 on récupère. Bien, Atik. Atik pour Tac. Tac au-dessus pour Boukaka. Mal joué. Mal joué. Il n'a pas assez appelé dans la profondeur et. C'est l'appel qui doit appeler la passe et pas l'inverse. Ah, il y a sur le côté gauche. Ouh là là, Boukaka! Boukaka! Boukaka qui justifie. D'un coup. Alors, Bati, qui joue sur Atik. Atik qui joue très mal vers Maï. Qui fait la tête. Et là, le défenseur qui se trouve. Et Boukaka, il ne se pose pas de questions. Il tire la praline de sa mère. Nickel. 4-1.
Les deux attaquants qui marquent. Bon jeu, nickel. Allez, deuxième poteau. Ouh là là, ça joue bien. Dommage. Par contre, contre-attaque adverse. Michelini, Michelini qui est blessé. Il est blessé, tu vas le laisser courir comme un lapin en plus. Ouh là là, non mais allez-y, laissez-le passer, il n'y a pas de problème. Putain, n'importe quoi, n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Allez, mi-temps, 4-1. Ok, nickel. 92% de passes réussies. Ah oui, ils en ont pas mal de réussies aussi. C'est donc 50-50. Mais on joue mieux qu'eux sur les occasions. Et encore, hein, pas tant que ça. Mais on a plus d'XG. C'est déjà pas mal. Ne changez rien, votre jeu de passe me plaît bien, ça c'est clair. Donc on continue, là on est bon. Et eux, ils ont fait plein de changements, il faut peut-être qu'on en fasse nous parce qu'on a un deuxième match dans 3 jours. Allez les gars, on pousse, on pousse, on y va là. Ah, c'est pas comme ça. Hein. Allez, Kofi. Bouzi. Bouzi pratique. Bati. Tac. Tac. Qui part. Tire de loin un peu présomptueux là quand même. Hein. Ne le cachons pas. Parce que les autres, ça balance. Hein. Ça balance devant. Allez, Ferrari. Roselli. Bati. Serralone. Atik. Pour Boukaka. Boukaka la profondeur. Il a vu Maria. Maya qui déborde, alors qui fait un tour et oh c'était bien joué. Bouzy qui trouve la base du poteau qui sort encore. Aïe 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 aïe. Allez, il y en aura une occasion pour eux à force. Faut enfoncer le couteau là, faut enfoncer le couteau dans la plaie. Ouh là là, ouh là, ça déborde là. Ouais, ça. Les ailes, c'est pas là qu'on couvre le mieux avec une défense à 300 bien centrée. Hein. Ça c'est clair. Oh putain. À des buts comme ça, tu peux rien dire. Ah là, 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 il pouvait pas défendre plus. Hein, parce que là, là, le centre. Payot pour Jean. Jean pour Rabaoui. Et là, Charme. Waouh! La même que Boukaka tout à l'heure, un petit peu. Hein, donc, pas de soucis. Quatre-deux, quatre-deux. Jean courait être moins bien là en deuxième. Ah, bien défendu par Rosselli. Bati, Atik. Bouzy, Bouzy, on n'a pas beaucoup vu hein, quand même. Parce que sa tête sur le poteau. Boukaka, tête décroisée et qui ne trompe pas le gardien qui avait anticipé de ce côté-là du but. Le gardien qui dégage. Allez à la défense. Voilà, Roselli, Roselli, la tour de contrôle au milieu. Attention, on défend bien. On laisse pas partir dans la profondeur. Roselli, c'est bien. Maya, Maya. Maya, tu les as vus, tu l'as vu? En profondeur. Voilà, Bati est parti. Bati. Oui, Bati qui la met. Petit filet, sans problème, nickel. Ah, je vais en avoir des émotions avec ce club-là, je sens déjà là. Là, des joueurs qui commencent sur les deux premiers matchs amicaux à se sortir du lot. Voilà, l'attaquant tac qui attend bien que Bati parte dans la profondeur et qui lui donne au bon moment. J'appuie, qui dégage. Minala. C'est bien, Maya, tu fais bien ton travail défensif, c'est bien. Ouh, la base de Zimboto pour Payot. Payot, Payot, Payot. Ouh, mais hé, Maya, tu le suis ou quoi? Tu fais quoi? Bon, deuxième poteau, il n'y a personne, ça va. Ah, par contre, il y a du monde qui arrive hein, dans la surface. Et oh et, Maya? Maya? Ouh, Maya la veille. Qu'est-ce qu'il me fout, ce con? Allez, tac. Bouzy. Ferrari, qui met en profondeur pour Tac, qui a bien senti le coup. Y a personne au centre, il n'y a personne au centre, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il n'y a personne. Allez les gars, faut se bouger là. Allez, là on récupère. Serralone, Bati, Bouzy, Serralone. Tu descends un peu bas, hein, Serralone, je trouve. Atik, Atik, toi t'es pas à zéro. Hein. Kofi, Mahaya, qui met en haute vers Tac, qui remet à Boukaka. La frappe hors jeu. Non, changement. Ok, c'est corner. Corner, corner, corner. Maya qui centre. Il se trouve rien sur les corners et les trucs. C'est horrible. Normalement, les corners, pas d'assez bons tirs. Bon, là, on va faire quelques changements quand même parce qu'il y en a qui fatiguent. Bouzy.
En plus, c'est pas très bon. On va le remplacer. On va le remplacer plus que ça, je sens. Donc, El Wali. À la place de Bouzy. C'est qu'il est bien fatigué aussi. Maya réalise un excellent match, mais ouais, il est fatigué quand même. Maya, il est à gauche. Raza fan machine, machine, petit truc. Tu vas y aller là-bas. Allez hop. Derrière. Roselli. Je le mets là. Et je mets Kofi au centre. Parce que Boumali est pas très bon de la tête. Donc on va pas le mettre là pour réceptionner les corners. Ferrari est pas bon. Ferrari n'est pas bon. Tu vas laisser ta place à qui? À Maillard. Qui est encore plus mauvais. Ou à Bouzid. Putain, c'est une horreur. 5 en marquage, 8 en tacle. 8 en marquage, 7 en tacle. 7 en jeu de tête, il fait 1m83. Bon, bah Maillard, tu vas remplacer Ferrari. Après. Pallone. Martin Pichon, tu sais faire quelque chose? Vision du jeu un peu. Décision, ok. Des crimes, plus dribbleur, donc on va pas le mettre là. Pichon, on va remplacer ses ballons. Après, on va attendre un peu de faire les autres changements plus tard. Les autres sont pas trop fatigués. Ouh là là, Roselli. Roselli, qu'est-ce que... Hors jeu. Ah oui, d'accord, hors jeu. Je comprends mieux, je comprends mieux. Son 13e, on commence à faire les autres changements après. Oula. Moyen ça. Bati qui est derrière. Allez hop, on fait les autres changements. Faut qu'on se repose. On va laisser rentrer Colin Nestor pour voir un peu ce que c'est. Parce que Renonger a quand même pris deux buts. Abdelkrim va remplacer Bati. Pellin et Legrand vont rentrer en attaque. Je suis pas sûr que ça soit une bonne qualité ça. Attic va laisser sa place. On va faire. El Wali au centre. Mohamed Ba, il est quoi? Droitier. Et lui, il est gaucher. Ouais, pas top pour des ailiers intérieurs, mais bon, on n'a pas le choix. Coelho. Coelho, ouais, 16 ans, donc on peut le faire entrer. Et Bouzid va remplacer Kofi. Et Maillard va remplacer ici. Bouzid, il est quel pied? Droitier. Ok, ouais, on va laisser comme ça. Hop! Donc là, je n'attends plus rien. Je n'attends plus rien du beau jeu. C'est fini. On va juste essayer de gagner, garder le score positif pour nous. Ouh là, ça, je le sens pas. Palo. Palo, palo, palo. Palo qui centre. Ouh, deuxième. Bien, bien défendu, les gars. Bien défendu. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pour le moment, on défend bien. Je veux qu'on tienne le coup jusqu'à la fin du match. Ouh là, encore eux. Ouais, on fait sortir les bons joueurs, c'est fini, hein. On n'a plus rien là. On fait plus rien. Du gruyère. Les trois défenseurs centraux de l'équipe titulaire, ça passe. Alors le reste. Putain, il faut que j'en prenne. Après les matchs amicaux, il faudra que je vois, mais il faudra peut-être que j'en cherche un autre. C'est trop léger. Trop léger, trop léger là. Ça suffit pas, c'est pas assez bon. Allez, Maya. Martin Pichon. Razafine Drabé. Martin Pichon. Boumali. Razafine Drabé. Legrand pour Razafine Drabé. Qui... Ouh là là, il déborde, il déborde. Le centre. Le. Ah putain, tirez-vous pas dessus. Mais je viens de vous dire, tirez-vous pas dessus. Et hors jeu maintenant. Bazar de machin. On dominait largement au tir et tout, mais là on fait plus rien. Allez, on jouait à passe. Abdelkarim, El Ouali, Abdelakrim, Bouzid, Nestor, Boumali, Maillard, Martin Pichon, Razafine Dravé, Martin Pichon. Allez, 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 putain, on recule de plus en plus là. On balance devant, ouais, bah, c'est bon, score final. 5-3, je prends. Pas terrible quand même de prendre autant de buts contre une équipe de division inférieure, mais...
Très encourageant quand même, les gars. Pour une équipe que vous. Une tactique que vous connaissez pas, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal.